The hip hop but yeah girl got booty. D'ailleurs, c'est une nouvelle vidéo pour vous présenter comment avoir une tenue modée sur GTA 5. Donc, pour tout d'abord, vous allez dans les tenues de braquage combinaison, vous munissez de quarantaine, combinaison de quarantaine, et là, on va se retrouver pour la deuxième étape. La deuxième étape, il faudra que vous munissiez d'un gilet pare-balles standard. Vous allez dans un magasin de coiffure, n'importe lequel. Vous entrez dans le magasin, vous demandez une coiffure au coiffeur. Vous choisissez n'importe laquelle. En l'occurrence, je vais prendre Je prends la tenue de jeune hipster noir. Il va me couper. Vous allez voir que notre tenue sera automatiquement plugée. Là, vous allez quitter. Là, vous avez la tenue qui est buggée. Voilà. Vous voyez, ça rentre un peu dans le plafond. Donc, ensuite, vous allez prendre. Ensuite, bon, je fais quitter X. Et donc, on se retrouve à la troisième étape. Donc, vous allez sauvegarder votre tenue. Très important, vous allez la sauvegarder. Hop. Moi, je vais la mettre ici. Je vais mettre plutôt parce que après vous pouvez la renommer comme vous voulez. Plutôt, voilà. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la tenue de pilote d'école de pilotage et vous allez prendre la dernière en l'occurrence. Et là, on va aller au club de striptease. Et je fais une petite ellipse de temps qu'on soit au club de striptease. Alors pour la quatrième étape, donc vous allez au club de striptease, vous rentrez à l'intérieur, bien sûr vous n'êtes pas obligé de rentrer complètement à l'intérieur. Vous rentrez à l'intérieur, normalement ça vous enlève votre carte de couleur. Vous allez dans les inventaires, accessoires, vous prenez la tenue que vous avez sauvegardée. Donc, moi, c'est FBA, vous la sélectionnez, vous ressortez, et vous avez le bug. Donc voilà, j'espère que après vous pouvez très bien la sauvegarder, qui se trouve en magasin de l'autre côté. La sauvegarder, c'est très important. Ouais. Hop, on va la sauvegarder. Hop. On rentre. On la sauvegarde. Hop. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder les pouces j'aime. Et puis, sur ce, ciao tout le monde. Peace!